avec le retour des beaux jours, c'est aussi le retour des pique-niques. Les pique-niques sympas qu'on organise le week-end en famille, c'est chouette, mais aussi les petits pique-niques qu'on organise avec ses collègues durant la pause méridienne, là aussi c'est super sympa. Alors si vous êtes des adeptes du pique-nique et si vous êtes à la recherche de plus de confort et plus de praticité, vous allez adorer ça. C'est un sac à dos pique-nique. Alors c'est l'association d'un sac à dos isotherme pour pouvoir transporter vos aliments, mais aussi avec tout l'équipement, tous les accessoires qu'il faut pour faire un pique-nique avec 4 personnes. Et vous allez voir, c'est super classe et je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Premier point important, puisque c'est un sac à dos, vous allez le porter sur le dos, donc le confort c'est important. Et regardez, au niveau ici des bretelles, ce sont des bretelles bien larges pour éviter de vous cisailler les épaules quand il y aura du poids dans le sac. Évidemment, ces bretelles sont réglables hein, pour les petits et les grands modèles. Vous avez aussi ici cette poignée, et puis on profite aussi du rembourrage un peu dans le dos ici, puisqu'il y a la partie isotherme qui est juste derrière, donc c'est un petit peu rembourré, et donc c'est assez confortable. Ce sac à dos est composé de 3 poches. Il y a la petite poche qui se trouve sur le devant, vous avez vu avec les 2 zips, la petite poche qui se trouve ici au milieu, hein, le compartiment dans lequel on va trouver tout l'équipement, on va en reparler tout à l'heure, et puis derrière, voilà, la grande poche, le grand compartiment dans lequel vous allez pouvoir mettre vos aliments qui a une capacité ici d'environ 5 litres. Ici, sur le côté du sac, vous avez 2 sangles que vous allez pouvoir serrer. C'est un emplacement pour installer soit votre nappe, si vous avez prévu de manger sur une table pique-nique, soit votre couverture, si vous avez prévu de manger à même le sol. Et de l'autre côté du sac, vous avez un porte-bouteille isotherme super malin puisqu'il est détachable. Lorsque vous allez transporter votre boisson pour la garder au frais, vous mettez votre bouteille, vous l'accrochez au sac. Mais si vous avez envie de boire un coup, pas besoin de sortir la bouteille de l'enveloppe isotherme. Vous la gardez dedans, vous la détachez et vous pouvez boire votre boisson bien fraîche. Allez, on va ouvrir le compartiment du milieu pour découvrir les 29 accessoires qui sont ici dans ce sac. Alors ce sont tous les accessoires indispensables pour pouvoir faire un pique-nique, vous allez voir quand même assez classe, pour 4 personnes. Alors bien entendu, ici tous les éléments sont réutilisables. Vous avez juste ici les 4 assiettes, ici vous avez les 4 couteaux, les 4 cuillères et les 4 fourchettes. Et super classe, vous avez ici les 4 verres à pied. Pour le côté très classe, vous avez aussi les 4 serviettes en tissu assorties au sac et vous avez aussi votre salière et votre poivrière. Alors il y a aussi un petit côté franchouillard dans les équipements ici de ce sac à pique-nique puisque vous avez la planche à découper, le couteau spécial pour le saucisson ou pour le pain, le petit récipient hermétique pour mettre votre beurre à l'intérieur par exemple hein, et bien entendu le décapsuleur ouvre-bouteille, voilà, indispensable pour le pique-nique. Ce sac pique-nique existe en 2 versions, en réalité en 2 coloris. Vous avez le sac pique-nique bleu et ici le modèle que je vous ai présenté, le sac pique-nique rouge. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du produit. Moi, je vais en profiter, je vais prendre mon repas, hein, mon petit pique-nique. Vous aurez bien entendu les images en illustration ici de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno ou alors des objets pique-nique aussi. Allez, ciao, ciao, à bientôt.